Donc là, on va mettre les deux images à côté. Attention. Oh my god! Yo tout le monde, c'est Skoon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une expérience physique, yes, enfin. Avec ma nouvelle caméra, regardez, j'ai tout bien paramétré. Le son, l'autofocus et tout. Là, en fait, je vais faire un moitié de jeûne, je sais pas comment on appelle ça. Je vais faire qu'un repas par jour, sachant qu'avant, je bouffais matin, midi, des fois après et soir. Là, je vais aller me laver. Comme ça, je vous montre une photo de moi qui n'ai pas mangé de la journée. Là il est 10h30, là j'ai pas forcément faim. Le fait de ne pas bouffer, ça donne justement pas envie de bouffer. Là je vais faire des pâtes parce que j'ai suivi pas mal de tutos de fast food cuisine. Le fromage, le lait et les pâtes. J'adore bouffer épicé et j'aime bien bouffer beaucoup aussi. Poivre, le sel, logique. Du parmesan, du jambon, du piment. Ça fait une couleur de merde, j'aurais juste dû mettre du rouge. Parce que là bah c'est un peu moche en fait. Les pâtes, elles ont absorbé le lait, c'est trop stylé. Par contre, le bleu, non, c'était pas obligé ça. Ça a pas l'air très bon, mais en vrai, la couleur, ça a l'air très bon. Par contre, la texture, en vrai, même la texture, ça donne envie de bouffer. Donc là, j'ai jamais mangé un truc autant bon. Vraiment, essayez des pâtes au lait et au cheddar, trop bien. Et on se retrouve pour demain. Oh, attends, j'ai jamais fait une transition comme ça, trop, ça va être stylé pour demain. Oui, j'espère que ça a marché. Du coup, je suis grave content aussi d'hier d'avoir pu faire à manger ce que je veux. Parce que c'est plus bon que quand c'est mes parents qui font. Et là, je vais me faire un tacos. Un tacos cordon bleu. Et il me reste du bacon aussi. Et d'abord, ouais, ce lit, bah ça fait 2 semaines que j'ai pas changé. Et quand il t'arrive ça, en vrai, que t'es au propre dans ton lit, en vrai, je sais pas, ça fait grave plaisir. Résultat final, les chips elles sont bonnes en fait. La pâte c'est pas le meilleur, mais après, quant à la garniture, tout ce qu'il y a dedans, quoi, c'est trop bon. Regardez-moi ça. Je crois que je vais pas y arriver, là on est le deuxième jour. Et en même temps, je suis un gros teubé parce que je regarde des vidéos de bouffe. J'ai vraiment envie de bouffer là. Mais bon, après, c'est dans le mental surtout. Et bon, bah, j'ai essayé de tenir une semaine. De toute façon, je vais pas mourir de pas manger pendant 16 heures à chaque fois. On est le matin, bah, j'ai pas dit au revoir, j'ai pas fait comme ça hier. Attendez, wesh. Le matin, je sais pas, je vais faire des abdos, des pompes, des tractions. Si je fais des abdos et je continue à faire ça, ça va être grave bien, ce mouvement va être visible après. Comme tous les gens de mon âge en fait. C'est bizarre, j'ai dit à mes parents que je faisais un jeûne de 16h pendant une semaine. Et là, ils sont allés chercher un McDo. Je vais bouffer le McDo ce soir. Là, il est midi et demi. Je suis vraiment désolé, j'ai envie de faire un truc. J'ai même pas remarqué que j'étais en train de bouffer. J'étais en train de bouffer un citron. J'ai mangé à 8h un burger. Du coup, demain, je dois manger à midi. Oh non, ça va aujourd'hui, j'avais pas faim. Bonjour. Est-ce que je suis con? Regarde que de la bouffe toute la journée. Là, il est 18h presque. Je vais manger demain à 21h. Ce midi, j'ai mangé du risotto avec une sardine. Voilà, j'ai pas faim. Je viens juste de remarquer un truc, c'est qu'en fait, bah, je me suis habitué. Parce que là, tout à l'heure, j'ai mangé, c'était midi et demi. Et là, c'est déjà 8h. En fait, j'ai pas faim. Là depuis le début j'ai bu zéro coca. Et là j'ai voulu prendre de la limonade avec du sirop. Et en fait ça m'a boosté à mort. Je sais pas comment faire. Là c'est 14h. J'ai pas forcément faim. C'est pas mon corps qui a faim là. J'ai envie de prendre un gâteau parce que souvent je fais des mug cakes. Il y a pas longtemps je viens d'apprendre à faire des mug cakes. Et là j'arrête d'un coup et j'arrête dimanche. Lundi je prends formation. Il y a un chat dehors. Le mec il laisse son chat dehors avec sa laisse alors qu'il fait ultra froid toute la journée. Ça n'a rien à voir dans ce vlog mais je me suis fait une petite enveloppe que je vais ouvrir à 20 ans. Puis je me suis envoyé en mail, enfin je me suis planifié pour le 6 janvier 2023 à 19h. Je me suis mis 5€, j'ai écrit profite bien ce soir, c'est ton soir, achète-toi des Doritos et de la Monster, voilà pour me faire plaisir. Comme ça, ça fera peut-être repenser aux Doritos et à la Monster. Ça va me rappeler toute cette année puisque ça fait depuis cette année que j'en prends. Et en fait je vais... Ah bah là je m'en rappelle plus. Même si je sais que je peux pas percer dans YouTube, je suis pas fait pour y arriver, c'est comme ça. J'ai toujours filmé avec ma GoPro qui est dégueulasse. La première vidéo que j'ai mis avec ma vraie caméra, c'est-à-dire sur God Simulator, à partir de là, j'ai perdu 300 vues sur toutes mes vidéos. Elle était à 480 vues, je crois, elle d'avant. Un mois après, je mets elle de God Simulator, elle était à... Là, elle est à 80. Donc dès que j'ai un nouveau truc bien, bah j'ai pas de vues. Je pense que je vais continuer YouTube pendant longtemps. En fait, ça me rappelle des souvenirs. Par exemple, le haut que j'aurais fait à 20 ans, bah, je vais regarder encore plus tard et bref ça rapporte toujours des souvenirs. J'adore faire des vidéos, c'est ma passion. Si ça marche pas,
bah ça marche pas, c'est le cas. Et du coup là je vais faire du sport, ouais je sais je parle beaucoup mais ça sert à ça les montages. À couper quand je parle et qu'on s'en bat les couilles. Cette musique là elle me donne tout le temps envie de me fight, être un peu plus fort, tu vois, je sais pas, ça marche vraiment en plus. Bise le balala, l'axe au templier, la différence on la fait pas. La sœur, seul go que tu peux gérer. J'ai une chaîne où je fais un peu de la merde, ça s'appelle Steven, un truc comme ça. Je vous mettrai dans la description. Je sais pas si vous connaissez les sous-titrages américains. Faut plutôt rajouter une voix anglaise quand tu parles normalement. Hey, what's up bro? Et par-dessus tu fais une voix de merde. Hey, salut fils de pute. Hey, salut les petites bites. Aujourd'hui on va faire du sport. Je fais pour que ce soit stylé, bien sûr, pour faire du fake. Je vais faire comme ça. Pour les gens de mon âge, il y a tout le monde qui est plus musclé que ça en fait. C'est la seule fois de la vidéo où on va y faire du sport. Il y aura une vidéo qui sera consacrée à ça. Là, ça fait déjà plusieurs mois que je suis en train de la faire la vidéo. Comme à chaque fois, à la fin d'un entraînement, faut faire des étirements. Alors déjà, on a mangé à 22h et vous voulez manger plus tard. Manger des pâtes avec de la sauce Saint Agur, un peu de jambon et de saumon. Je n'ai pas maigri. J'ai oublié un truc aussi, c'est de me peser. Là, je vais me peser parce qu'on est à la moitié. Bonjour, on est vendredi, super réveil. Ma mère, en fait, elle, c'est les meilleurs réveils du monde. Elle ouvre la porte comme ça, d'un coup, en fait, ça te fait sursauter et t'as mal au cœur pendant grave longtemps. Bonjour, j'ai oublié de vous parler hier. Bon, là, il est 2h30, 14h30. J'ai toujours pas envie de bouffer. Du coup, pour l'instant, ça va, on est samedi. Je sais pas si je le ferai demain, parce qu'en fait, demain, bah, je vais essayer de profiter quand même. Parce... Après, bah, j'ai en formation. Comment ça va? Surtout réponds pas. Comment vous avez su que j'ai fini mon jeûne? J'sais pas. Arrête. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé cette semaine. C'était facile. Voilà. Si vous savez dans votre tête que vous allez pas y arriver, bah vous allez pas y arriver. Vas-y, si je me lance un défi, je le fais jusqu'au bout et bah en fait ça va. J'ai pas perdu des tonnes. Je vais aller me peser et tout, je vais refaire les photos de ce soir et quand j'aurai fini le montage, bah je vais vous dire si je trouve que j'ai perdu beaucoup ou pas. Regardez la popo de Fortnite qui est là. La popo de Fortnite. J'ai mal réglé la caméra, je crois, depuis le début. Si vous mettez fort le son, je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'il y a un son un peu dégueulasse. C'est pour ça que j'ai vraiment essayé de régler toutes les pistes audio. Il est temps de voir s'il y a eu une différence ou pas. On va mettre les deux images à côté. Là, je fais un oh my god. Ça, je mets ça en début de vidéo et ça fait un truc. Donc là, on va mettre les deux images à côté. Attention. Oh my god. Il y a pas de différence. En vrai, si on regarde bien. Vraiment bien. J'ai perdu un peu et on peut voir la marque rouge des abdos qui commence à se mettre. Et les pecs, j'ai l'impression que c'est un peu plus gros. Le dernier jour où j'ai bouffé comme un gros, j'ai maigri de 100 grammes comparé à avant. C'est pas ouf, mais genre là, il y a un peu de pneus. Et là, c'est vraiment limite un ventre plat. Ouais. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse d'autres vidéos de ce jeu. Ouais, c'est bizarre. C'est plutôt bizarre quand je fais ce signe là, ça fait penser à autre chose. Je pense que je vais couper ça en montage. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez me suivre sur Instagram qui se met là. Vous pouvez liker cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Commenter aussi. Je sais pas pourquoi je fais signe. Et vous pouvez vous abonner. Par contre, si vous abonnez vraiment, mettez uniquement les notifs. Si vous cliquez sur s'abonner, vous devez mettre les notifs. Ça sert à rien en fait d'être abonné inactif et ça me met en arrière sur YouTube et c'est vraiment pas ouf. Et vous pouvez aussi partager la chaîne à vos potes, genre en leur parlant et tout, voilà. Je vais mettre une vidéo par mois, ça sera le vendredi à 18h, donc ça sera sûrement le premier vendredi du mois. Salut!